Et au moins, on a fait notre première action de la bonne action de la journée. Hello, 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 bitches, it's on the bay. Et aujourd'hui, on est la deuxième journée passée à Toulon. Donc là, on a fait un créneau avec Aileen. Parce que géré. En fait, notre voiture, c'est une limousine, les gens. C'est un corbillard. C'est une limousine. Elle est super longue. Elle est longue comme ce truc-là. Un petit créneau. J'ai fait un petit créneau en pente en plus. Donc, franchement, Aileen, félicitations. C'est grâce à moi ton radar de recul. Ouais, Morgane aussi un peu. Là, j'ai trouvé un petit truc. Je sais pas où ça va. Ah, ça m'emmène dans la plage. Ah, d'accord. Aileen. Waouh, wow. Oh, le château, c'est beau. Non, mais là, je suis passée dans mon passage piéton, là, dans mon passage, je sais pas quoi, et j'ai perdu Aileen et Morgane. Je sais pas où elles sont. Oh là là. Non, mais c'est une blague. En fait, ça, on a découvert, c'était le petit fort de Toulon. Et là, vous voyez les bateaux, ils sont garés en plein milieu. Et en fait, on avait juste une question, genre, je sais pas si vous pouvez répondre à cela, mais genre, les gens qui vont récupérer les bateaux, comment ils vont faire? Genre, est-ce qu'ils doivent rentrer dans l'eau pour aller récupérer leur bateau? Ou genre, ils doivent tirer une chaîne? Là, il y a le bateau de Nour, là-bas, le vert. Ah, c'est mon bateau, il est trop beau. Mais c'est trop bien, c'est des trucs à bateau ici. On a trouvé une petite rue, elle était pas mal cette rue-là. Franchement, c'est mignon, j'aime trop. Mais bon. J'ai réussi. On a trouvé un truc là sur la bord de la plage, c'est genre une pierre en plein milieu de l'océan, de la mer pardon, une pierre en plein milieu de la mer, on adore, c'est trop beau. Et là on va faire des photos. Mimi. Par contre, c'est beau, c'est super bien, mais bon, faut être équipé pour traverser ce truc parce que là, nous, on est en mode touriste. On n'a pas d'habit de rechange. Oh là là, mais là, on doit traverser genre... Enfin, j'ai peur. Oh, on a arrivé. Putain, c'est trop beau. On a du... C'est trop bien, c'est trop bien. Je crois que j'adore. On a trouvé un sous-marin, il est trop beau, il est jaune et rouge. Et là, il y a un autre sous-marin qui est noir et gris. Et là, derrière, il y a un cage avec combat de coq. Donc là, ça y est, on commence à être dépité. J'en ai marre. Fatigué, on a la dalle. Il est quelle heure? Et du coup, là, on réalise que ça va être méga loin pour rentrer en fait. En vrai, la vue est pas dégueu, on apprécie. Non, on en a pas marre, mais on est un peu fatigué parce qu'on a un peu mal dormi, on est fatigué. Nour a eu la petite diarrhée ce matin. J'ai la diarrhée. La touristas. J'ai la tourista, moi, ce matin. Bon, on est un peu fatigué, mais ça va, on est content. On a passé deux bonnes journées, une petite bonne matinée. Et là, on a la dalle, quoi. Et je sais pas si on entend avec le vent. Bah, du coup, là, on s'est un peu perdu. On marche depuis tout à l'heure, on sait même pas où on est. Et on marche à côté d'un truc, genre une sorte de prison, c'est gris. Et c'est... Ah, oh, des écouteurs, oh, ça moi, c'est lightning, Donc là, tout à l'heure, comme je vous ai dit, on était en train de marcher à côté de la prison, je sais pas quoi ce que c'est ce truc. Et Morgane, elle a trouvé des écouteurs lightning pour iPhone 12 Pro Max, comme moi, là, je suis en train d'utiliser. On a fait notre première action de la bonne action de la journée. Hier, on a sauvé un pigeon.
Ah ouais, ouais. Comment? En fait, il y avait un pigeon hier. Donc là, j'ai rencontré une association, Le Fil Rose. Elles sont... Vous faites quoi, en fait? Alors, du coup, en fait, nous, on est une petite association. En fait, on est des étudiantes d'essai, donc technique de commercialisation. On est basé sur le campus de la Garde, sur Toulon. Et en fait, nous, on est liés, du coup, à SOS Cancer du sein, Nice. Donc, vraiment, c'est la grosse association de référence. Ah ouais, d'accord. Et en fait, du coup, là, on fait une petite action aujourd'hui. C'est la fête des grands-mères. Demain, c'est la journée des droits des femmes. Demain, c'est la journée des droits des femmes? Oui. Trop bien, oui. Je savais pas. Et du coup, en fait, pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait vendre des ballons. Donc c'est gonflé à l'hélium, etc. Histoire de communiquer autour du sujet du cancer quand même. Parce que c'est vrai que c'est un peu tabou, il n'y a pas toujours trop d'informations, etc. Donc vraiment dédramatiser les choses et vraiment en parler librement. Et aussi histoire de récolter un peu de fonds. Bah, merci à vous. Merci. Et bonne journée. Bonne soirée. Je suis dans un McDo. McDo, mais c'est pas un McDo normal, c'est un McDo parking. Genre le McDo, il est dans un parking. Et ils font les commandes dans un parking. McDo parking quoi. Bon bah là on a pris la route, on va chercher notre McDo comme on vous l'a dit tout à l'heure. Je suis mort de fatigue. Ma glace, elle est arrivée avant mon repas. Hey, Lynn, elle est bonne ta glace? Bah j'ai faim. C'est bon. Du coup, elle mange le dessert avant son repas. Hey, Lynn, t'as quoi? Un Happy Meal. Faire une Mais frite. Ma commande aussi. Oh putain, elle est grande la frite. Oh, ah, c'est moi. Merci. Bon appétit. Regardez où on va manger, en plein milieu d'un parking. Merci le Covid, mais bon, c'est pas grave, c'est bien, c'est original. Allez, bon appétit! Morgane, on est à Nardia, on arrive à Valence. Au revoir Morgane, bon, tiens ton cœur. Y voler, bonne route. Bon bah du coup on vient de déposer Morgane et là on rentre à la maison quoi. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like et un petit commentaire. Voilà. Et à la semaine prochaine. Des bisous, ciao.